L'histoire de Babar, le petit éléphant. La musique est de Francis Poulenc, le récit de Jean de Brunhoff et l'orchestration de Jean-Marc Toll. Dans la grande forêt, un petit éléphant est né. Il s'appelle Babar et sa maman l'aime beaucoup. S'amuse à creuser le sable avec un coquillage. Babar est connu dans la tribu pour être le plus gentil des petits des éléphants. Thank you.
sa maman. Qui était caché là, bondit d'un buisson et tire sur eux. Les oiseaux s'envolent, les singes se cachent. Le chasseur a tué la maman. Il court pour rattraper le pauvre petit babar qui, terrorisé, se sauve dans les bois. Thank you.
tous les jours, il se promène en moto. C'est la vieille dame qui la lui a achetée. Elle lui donne tout ce qu'il veut. Pourtant, Babar n'est pas tout à fait heureux. Sa maman lui manque et il ne peut plus jouer dans la grande forêt avec ses cousins et ses amis. Deux années ont passé. Un jour, pendant sa promenade, viennent à sa rencontre deux petits éléphants. Mais c'est mes petits cousins, Arthur et Céleste, dit-il stupéfait à la vieille dame. Babar les embrasse, et puis pour fêter ça, il va leur acheter de beaux costumes. Les mamans d'Arthur
Arthur et de Céleste partent les chercher à la ville. Elles sont bien contentes de les retrouver, mais elles les grondent tout de même, parce qu'ils se sont sauvés. Se sont réunis pour en choisir un nouveau. Mais à un moment donné de la réunion, ils entendent du bruit derrière eux. Ils se retournent et qu'est-ce qu'ils voient? Babar, qui arrive dans son auto.
Et tous les autres éléphants qui courent en criant. Et voilà. Mais voilà, ils sont revenus. Mais voilà. Babar. Céleste, Arthur, quel beau costume. Quelle belle auto. Quelle belle auto. Alors Cornelius, le plus vieux des éléphants, dit de sa voix tremblante. Mes bons amis, nous cherchons un roi. Pourquoi ne pas choisir Babar? Il revient de la ville. Il a beaucoup appris chez les hommes. Donnons-lui la couronne. Tous les éléphants approuvent la proposition de Cornelius. Impatients, ils attendent la réponse de Babar. Je vous remercie tous, dit alors ce dernier. Mais avant d'accepter, je dois vous dire que, pendant notre voyage en auto, Céleste et moi, nous nous sommes fiancés. Et donc, si je suis votre roi, elle sera votre reine. Vive la reine Céleste! Vive le roi Babar! Crient alors tous les éléphants, sans hésiter. Et c'est ainsi que Babar devint roi. Babar.
étoiles se mettent à briller. Charline, parce qu'elle est devant moi, mais il y en a d'autres. Et voilà, elle était
Voilà. Donc, les flûtistes, allez, je commence par les flûtistes. Je prends mon anti-sèche toujours pour prendre Laura Botvin. On s'assoit, puis on se lève à la tête. Laura Botvin, voilà. Scolaire demain à 14h, soyez là bien à l'heure. Merci. Et bien écoutez, bonne soirée à tous, merci.